Bien-aimés auditeurs et auditrices, soyez les bienvenus à notre émission Le Réma du jour, une émission qui vous est présentée par votre serviteur, le révérend prophète Sanvi Kokou Apetogbo Samuel. Une émission qui révèle la pensée de Dieu pour toi, le cœur de Dieu, le Réma de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que tu écoutes ce matin? Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Que le Seigneur bénisse tout chacun de nous. Bonne écoute et que la paix de Dieu demeure sur vous. Nos vies l'oloto, mieux doux benami la pétan Yesu Christo fun kame. Mieux zova, on a ke di mieux d'encore dibe le RDJ, le Réma du jour. Apeto la pek bena o mdisi andi. Et n'y a ke le ma osino o ekbo. Et yé nene pe, on a ya. Mia pe soubola, Sanvi Kokou, apeto bo Samuel. Et le zimena nene pe, on a ya. Apeto la nina yin pakpemi, yé pa men veve, ne sok bonamida. Bien-aimés auditeurs et auditrices, le Réma du jour, qu'est-ce que Dieu veut te dire ce matin? Voici le thème du jour. Cherche la grâce de vaincre les combats. Cherche la grâce de vaincre les combats. Cherche la grâce pour vaincre les combats. Telle est la pensée de Dieu pour toi. Tu as besoin d'une grâce pour vaincre les combats. Tu as besoin d'une grâce pour vaincre ces principautés, ces démons, ces esprits impurs qui luttent contre ta destinée. Tu as besoin de la grâce pour être au-dessus d'eux. Tu as besoin de la grâce pour les dominer. Tu as besoin de la grâce pour les chasser. C'est pourquoi le Seigneur te dit ce matin, cherche cette grâce. Cherche cette grâce, c'est très important dans ta vie. La grâce de Dieu dans notre vie, c'est l'habileté d'exercer un pouvoir sur quelque chose. Un pouvoir qui ne dépend pas de nous, mais que nous recevons de Dieu. C'est ça la grâce. La grâce de vaincre les combats, c'est l'habileté, la puissance que Dieu transmet à son peuple pour dominer l'oppresseur, pour vaincre l'ennemi. Pour détruire l'adversaire. Cherche cette grâce. Tu en as besoin. Alléluia. Nous lisons notre premier texte dans 2 Samuel, chapitre 22, verset 33. À partir de verset 33, nous lisons notre première lecture dans ces versets. Alléluia. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit sur tout un chacun de nous. Là, il est écrit. C'est Dieu qui est ma puissance, ma puissante forteresse, et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat, et mes bras tendent l'arc des reins. We give you glory, Lord. Voici ce que la parole de Dieu nous déclare, que c'est Dieu qui est notre puissante forteresse et c'est lui qui nous conduit dans la voie droite. Il rend nos pieds semblables à ceux des biches et il nous place sur nos lieux élevés. Il exerce nos mains au combat. Dieu exerce nos mains au combat. Lorsque tu reçois cette grâce de vaincre les combats, alors l'Éternel serait avec toi. La main de l'Éternel serait avec toi. La grâce pour vaincre les combats, c'est la main qui combatte les ennemis. C'est la main de Dieu qui combatte les ennemis en ta faveur. Nous avons besoin de cette grâce. Lève la main là où tu te trouves maintenant. Lève la main là où tu m'entends et dis,
Seigneur, donne-moi la grâce pour vaincre les combats. Oui, tu vois les combats qui sont dans ta vie, tu dois les vaincre, tu dois les dominer. C'est pour cela que Jésus a dit à ses disciples, dans Matthieu chapitre 20, verset 1. Matthieu chapitre 10, le verset 1. Là, il est dit, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. Est-ce que nous voyons? Matthieu chapitre 10, verset 1. La Bible nous dit que Jésus appela ses disciples et il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. Il leur donna le pouvoir, la grâce de chasser les démons. Il leur donna le pouvoir de chasser. Lorsque tu recevras cette grâce pour combattre, pour vaincre tes combats, alors tu recevras le pouvoir de chasser tes ennemis, de chasser les démons, de chasser les esprits qui tourmentent ta vie. Que quelqu'un reçoive la grâce pour vaincre les combats au nom de Jésus-Christ. Mon femme, mais nous vivons, il continue d'une avadie. Nous vivons le taureau. Bible les nami n'yabena maou yenye ne m'cesse à mekini n'abena n'yafou funanju cesse et il continue d'aller cocofe et il n'a me doivadi et n'abena si on doivadi mon femme nous vivons, il continue d'une avadie à ne vadiwa nous c'est tsunami si bena avayo que ton titre a pas bon la doivadi. Amedeni kwa menu vivi anu aso duji. Amedeni kwa menu vivi anu a dravay ke le yedi le fag beme. Yesu gwenye pe nou son le mate o fag bale eta. Ame wo kupi gban mebe. Obe na eye. Wo yue pe nou son la vivi o. Eyo o na o nou se. Be wa nyak bok bo mako mako o. Obe na o nou se. Be wa nyak bok bo mako mako o. Ne a menu veve koso duna di vadi wa ou la nyak bobo vo o dugwe. A mene ne honi ne pa menu veve ale Yesu Kristo pon kome. Ma ou ne no a menu veve. Ma ou le blonon di ken abe na. Di a menu veve koso duna avadi. Di a menu veve koso duna avadi. E do la di ma ou pa menu veve koso duna avadi. Ne ma ou no a chwe. A chwe na ou. No bia wa na ou. Le Seigneur nous demande simplement ce matin de chercher la grâce pour vaincre les combats. Tu as besoin de chercher la grâce pour vaincre les démons, pour chasser les esprits impurs qui menacent ta vie. Que la paix du Seigneur demeure sur tout un chacun de nous. Nous allons prier. Seigneur, ce matin, je prie pour quelqu'un. Quelqu'un qui est fatigué des combats, quelqu'un qui est lassé des combats, quelqu'un qui n'a plus la force de continuer des luttes. Seigneur, accorde à cette personne la grâce de vaincre ces combats au nom de Jésus-Christ. Exerce ses mains dans les combats. Rends cette personne forte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Après toi, me dogbera de nos vireta, yike bojo, yike avare le boudi, après toi, ne amenu fefe. Nous avons tellement de budget là pour nous. Nous avons fait, nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons fait, mais nous avons fait que tout le monde peut faire les Jésus pour nous. Nous n'avons pas fait, nous avons fait une situation de tellement de budget. Les avoir des chèdes que tu as dit, Jésus nous a fait, nous avons fait une situation. Nous avons fait les Jésus pour nous. Mon femme nous veut et non a yé yé dissenti ne fatio nam le Jésus Christ pour nous. Alléluia. Alléluia. Mon femme nous veut et que faut comme ce soka tata ne n'est pas clos. Que la grâce de Dieu Tout-Puissant règne et demeure avec toi au nom de Jésus Christ. Vous venez d'écouter la voix de votre serviteur, le prophète Sanvi Kokou Apetobo Samuel. Ah, si vous voulez soutenir cette œuvre, alors, nous sommes prêts à recevoir vos dons et vos participations financières. Et nos numéros se retrouvent sur notre plateforme. Que la paix de Dieu soit avec vous et à la prochaine. Bye bye.